FM 93.1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Le nouveau contexte mondial de la mutation géostratégique et de révolution scientifique et technologique offre à l'Afrique l'opportunité de s'affirmer pleinement dans le nouvel ordre économique mondial. Émergence, tous les vendredis entre 15h et 16h, dans une action inspirée pour la réflexion et une réflexion qui suscite l'action. Flamme Sassi et ses invités traitent des questions africaines. Émergence, réenchanter idéologiquement l'Afrique. Émergence, tous les vendredis de 15h à 16h avec Flamme Sassi. Entre le 15e et le 19e siècle, eut lieu un événement qui marqua l'histoire de l'humanité, la traite des Noirs. Mais en 1815 et surtout en 1817, sous Louis XIII, l'esclavage est définitivement aboli à Paris en conseil de gouvernement par le décret de Victor Schœlcher qui décide abolition de l'esclavage, donc en France et dans ses colonies le 27 avril 1848. Mais bien avant cela, en 1808, interdiction de la traite par le Congrès des Nations Unies d'Amérique. En 1833, abolition de l'esclavage dans les colonies britanniques et après, en 1860, abolition de l'esclavage dans les colonies hollandaises. Histoire terminée, enfin c'est ce qu'on croyait, jusqu'au 14 novembre dernier où un reportage d'une chaîne de télévision britannique, CNN, pour ne pas la nommer, provoque un choc, ou dois-je dire une onde de choc. On y voit une vente aux enchères nocturne de jeunes Africains dans la région de Tripoli, en Libye, face à l'indignation des opinions publiques. Les responsables politiques se livrent à une surenchère d'épithètes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit horrifié. Le président de l'Union africaine, Alpha Condé, indigné. L'Union européenne, révoltée. Et la France a réclamé une réunion express du Conseil de sécurité de l'ONU. Hypocrisie. Hassène, le Sénégalais Amidou Anne, analyste du think tank L'Afrique des idées. À part le citoyen lambda, tout le monde savait. Les gouvernants, les organisations internationales, les leaders politiques. Les prises d'otages, les violences, la torture, les viols sont monnaie courante en Libye. Et l'esclavage, on en parle depuis longtemps. Renchéri Alioumtin, directeur Afrique de l'Ouest et du Centre Amnesty International, basé à Dakar. Qui aurait pu imaginer qu'en 2017, l'Afrique, dont le sang huila la machinerie du système mercantiliste, pouvait à nouveau vivre la traite des Noirs. Non du fait d'un venu d'ailleurs qui entre chez elle par effraction et impose l'homme comme combustible à la production de la richesse capitaliste, mais c'est au-dedans d'elle-même. Oui, en 2017, des Africains du sud du Sahara font l'objet d'une vente aux enchères publiques en Libye. À qui la faute? Il est donc impérieux de revisiter l'histoire de l'esclavage en Afrique. Et pour en parler, M. Stéphane Quevidien est avec moi en studio. Bienvenue dans l'émergence. Vous êtes sur Taxi FM. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Taxi FM 93.1. L'esclavage en Afrique, Monsieur Quevidien, bonne arrivée. Merci. Et merci. Et merci à toi d'être venu en tout cas pour édifier les uns et les autres face à ce phénomène horrible. J'ai parlé de surenchère d'épithètes quand l'Union européenne dit être révoltée, Alpha Condé indigné, et puis Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, très très affecté, horrifié, a-t-il dit, alors que quelque part on parle d'hypocrisie. On va en parler de long et en large. Qu'est-ce qui a causé ce phénomène en 2017, l'esclavage encore ici sur la terre africaine, en Libye plus précisément, mais on est obligé de rentrer dans les généralités pour comprendre les concepts. Quand on parle d'esclavage déjà, qu'est-ce que cela veut-il dire? Merci Flamme, je salue les milliers d'auditeurs de Taxi FM et je salue aussi Francis le technicien qui va nous conduire à bon port, j'espère. J'espère aussi, j'espère aussi. L'esclavage, oui. Ça me touche, ça me fait sourire, voire rire, l'esclavage. Ça vous touche, ça vous fait rire. Ça me fait sourire. Ça peut semer un peu de contradiction dans l'esprit des auditeurs et auditrices. Non, mais on va comprendre, certainement. J'ai pas pleuré, donc il n'y a pas de confusion. Souvent, quand ça touche, ça fait mal. Oui. Sourire et rire.
sourire parce que les gens pensent que ça sort de nulle part. Rire parce que ceux qui financent cet esclavage, ceux qui sont derrière cet esclavage, ceux qui ont fait du tort à l'Afrique, se réveillent finalement et nous font croire ou bien veulent nous faire comprendre qu'il y a un crime contre l'humanité. Monsieur Kovidien, vous êtes juriste, vous êtes panafricaniste. Comment définissez-vous l'esclavage déjà ? L'esclavage, c'est le principe selon lequel tu fais d'un homme un sous-homme qui se retrouve sous ton autorité et tu as droit de vie et de mort sur cette dernière période. C'est-à-dire que le maître se substitue au créateur finalement. Justement. Et Flams, je vais te dire que juste pour la petite histoire, ma maman est décédée il y a plus d'une vingtaine d'années, mais de son vivant, nous n'utilisions jamais le mot bonne, boy, chauffeur dans notre maison. Elle disait qu'ils sont nés de parents et qu'ils ont des noms. C'est vrai qu'il y a peut-être des nuances à faire entre l'esclavage, les travaux forcés, et puis il y a la servitude aussi, il y a la dette. Ce sont des concepts qui peuvent avoir beaucoup de similitudes aussi, monsieur Kovidien. Il y a similitude et il y a abus. Déjà, travail forcé et esclavage et servitude à la dette. C'est pratiquement la même chose. Parce que ce dernier qui travaille, il perd ses libertés, il perd ses droits, il devient une personne chosifiée. On peut faire de lui ce que l'on veut, à volonté, à loisir, et ça, c'est très dangereux. Et c'est là où intervient en tout cas le concept de travail obligatoire. Travail obligatoire. Oui, le travail forcé, parce qu'on se rappelle encore des coups de fouet, et c'est beaucoup d'humiliation par rapport à l'esclavage. Donc c'est quelque part peut-être une forme aussi plus aiguë, hein, en tout cas, du travail forcé. Bien sûr, Flams. Et je suis désolé de vous dire ceci, c'est que notre propre culture a fait le lit à ce que nous voyons se déroulait sous nos yeux en Libye. Nous avons... Les auditeurs ne comprennent pas certainement. Nous avons expliquez-vous. Pris oui. cette habitude de notre culture de donner en mariage des enfants mineurs qui avaient droit de... qui perdaient leurs droits en face de ce fameux mari qu'elles épousaient par la force. Un. Deux. Nous avions pris l'habitude de perdre certains nobles et ceci pour payer leur liberté ou pour acheter leur liberté offraient leurs frères en servitude. C'est tout ça qui a pavé la voie pour ce que nous appelons aujourd'hui esclavage. Nous avions connu des guerres dans cette Afrique, guerre au cours de laquelle les prisonniers étaient faits esclaves. Ensuite, nos frères de couleur, chose de peau, comment dirais-je, de peau claire, pas les blancs, nos frères africains de peau claire, en ont abusé. À l'heure où je te parle, l'esclavage continue au Soudan, ça continue en Mauritanie. Une partie du Maroc, même des blancs sont utilisés comme esclaves. Vous voyez ? Donc c'est pour vous dire que nous avions pavé le chemin et ça continue. Nous faisions semblant comme si c'était banni et tout d'un coup, on est surpris que ça revienne et tous les Africains commencent à jouer au sensible. Moi je dis non. Je dis non. Mais est-ce qu'on parle aussi de l'esclavage ancien, qui est l'esclavage classique, et puis il y a l'esclavage, ce que je n'aime pas trop, l'esclavage moderne. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux, ou ce n'est qu'une différence, on va dire, de période ? Ce n'est qu'une différence temporaire. Il n'y a pas de différence de période, il n'y a pas de différence temporaire. Quand quelqu'un perd ses droits, ses libertés, sous n'importe quel cieux, c'est
de l'esclavage. Point barre. Donc il n'y a pas d'esclavage moderne, il n'y a pas d'esclavage traditionnel et autres. Un esclavage, c'est un esclavage. Ouais, comment on peut comprendre comme je le disais dans mon propos introductif, en 1848, esclavage aboli dans les colonies françaises, en 1833, aboli dans les colonies britanniques, 1860, dans les colonies hollandaises, et pourtant ça a perduré, ça persiste en Afrique. Vous parliez entre-temps de l'esclavage à Mauritanie qui a été aboli dernièrement, c'était en 1981, comment on peut expliquer cela? Ça continue, Flams. Un grand député en avril 46, Félix Oufoué, a joué un rôle très important dans l'abolition de l'esclavage dans les territoires d'outre-mer. Après, il est devenu, ou bien il a été connu, sous le nom de Félix Oufoué-Boigny, président de la Côte d'Ivoire, puisque à l'époque, en 46, il n'utilisait pas Oufoué. C'est pour dire que des efforts ont été faits. Mais est-ce qu'il y a un suivi? C'est ça le problème. Est-ce qu'il y a un suivi? Nous parlons d'esclavage, n'est-ce pas? Vous savez que la jeune fille qui quitte son cincassé et qui est serviteuse, servante, tout ce que vous voulez, en bref, bonne, B-O-N-E, à qui on ne paye même pas un SMIG. Et bon, B-O-N-E, c'est beaucoup plus une qualification. Elle est plutôt une bonne personne. Qui n'a pas d'assurance santé, à qui le SMIG n'est même pas payé. Vous allez me dire que c'est pas de l'esclavage? On va y revenir parce qu'on va quand même essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Libye par rapport à cette jeunesse africaine qui est ce qu'on va dire aujourd'hui, monsieur Stéphane Kevidien, à l'heure où on parle de l'émergence africaine, où on parle de lutte contre la pauvreté, l'emploi des jeunes, etc. Et qu'on en arrive jusqu'à là, on fasse un retour en arrière pour parler de ce qu'ont vécu en tout cas nos arrières, en grands-parents, des siècles et des siècles, beaucoup d'humiliation, et qu'on revive encore cela, ce n'est vraiment pas drôle, alors là, pas du tout. Comment on peut expliquer ce qui se passe aujourd'hui en Libye? Déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que la mort de Kadhafi en 2011 en a aujourd'hui pour quelque chose? Bien sûr que oui. C'était une boîte à Pandore qui a été ouverte. Ils ont commis l'irréparable. Comment ça C'est vrai qu'après Kadhafi, jusqu'alors, la Libye, entre griffes, n'est plus gérable. C'est vrai qu'il y a quand même une gestion nationale. C'est entre-temps même carrément divisé en deux, de Benghazi à Tripoli, etc. C'est pas aussi stable que ça. Vous saviez que Kadhafi était un militaire, un homme d'armes. Pour sa sécurité et celle de son pays, il avait beaucoup de camps militaires, beaucoup d'armes. À la mort, peux-tu me dire entre les mains de qui ces âmes sont retrouvées? Est-ce que ce sont ces anciens militants qui se transforment en migrants aujourd'hui? On parle des Africains de l'Afrique du Sud, du Sahara. Je ne touche pas encore aux citoyens libyens. Je parle d'abord des âmes de Kadhafi. Ces âmes-là se sont retrouvées entre les mains de n'importe qui, dont certains en ont fait usage au Mali, à l'époque d'un certain capitaine Sanogo. Ensuite, certaines de ces armes se sont retrouvées au Nigeria entre les mains de ce qu'on appelle un Boko Haram. Ok. Maintenant. C'est vrai qu'il y a tous ces mouvements terroristes, le Daesh, le I, etc. Voilà. Le rapport avec l'immigration là-bas, en Libye. Il y a l'immigration qui a pour raison le non-développement des pays de l'Afrique noire. Vous savez, celui qui quitte son village et fait ce que nous appelons l'exode rural, c'est pas quelqu'un qui a fini ses études et qui vient à la capitale pour continuer, c'est pas ça, c'est quelqu'un qui se dit sans avenir dans son village, qui vient à la capitale pour chercher justement cet avenir là. Donc on vient dans la capitale pour rechercher de meilleures perspectives économiques. Je suis d'accord. Prenons ça étape par étape. Ils laissent la terre qu'ils peuvent cultiver
et viennent dans la capitale. Déjà, on peut expliquer ce phénomène. Tu vas me dire oui. que tu les comprends, et moi aussi je les comprends, parce que celui qui a une daba et une houe entre les mains ne peut pas inspirer quelqu'un qui rêve plus loin que lui. Si au moins ces cultivateurs avaient des machines, avaient industrialisé leur domaine, leur secteur, on pouvait encore avoir de l'espoir. Si c'est cultivateur ou si c'est si les États. Je parle du cultivateur d'abord. Comment lui peut-il, peut-il financer, peut-il industrialiser cette agriculture-là ? A-t-il les moyens de le faire ? Non, certainement pas. Il n'a pas ce moyen-là. Alors qu'aujourd'hui, on s'accorde à dire que nos États doivent être développés par l'agriculture. Est-ce que réellement, il y a des politiques de développement de ce secteur dans nos États aujourd'hui ? Parce qu'il me semble que vous voulez trouver un lien entre l'exode rural et l'immigration clandestine. En dehors du coupe-coupe et de la daba, il y a un minimum de matériel que le cultivateur, l'agriculteur lui-même peut se fabriquer ou s'acheter. Un. Deux, les États africains, de l'Afrique noire, je vais le répéter jusqu'à mon dernier souffle. Quand on vient mal au pouvoir, on n'a pas de vision. Quand on vient mal au pouvoir, on n'a pas de vision. Et pour vous, c'est ce qui cause l'exode rural dans les États africains du sud du Sahara ? Oui, quand on ne rend compte à personne et qu'on se fout du monde, et que ce monde-là dont on se fout veut chercher une bouffée d'oxygène de l'autre côté de l'Occident, et que par mégarde se fait tuer dans le désert, on vient crier qu'il se passe quelque chose ? Non, on n'a pas un cœur. Si tu as un cœur, tu ne vas pas attendre que ça dégénère avant de chercher une solution. Oui, ça, de façon superficielle, on peut comprendre. Mais non, on va entrer dans le fond des choses avec beaucoup plus d'analyse. Il me semble que vous trouvez quand un lien entre l'exode rural et l'immigration clandestine. Aujourd'hui, là, le jeune qui quitte le village déjà, ça veut dire que pour lui, le paysan, il n'est pas un modèle parce que voilà, il travaille dans des conditions de précarité et de pénibilité très aiguë et accrue. Et donc, pas un modèle pour le jeune là qui quitte le village vers la ville en nourrissant vraiment un rêve. Arriver à la ville, c'est une désillusion totale, foudroyante. Et donc, on a le dégoût du pays. Et donc, un peu, c'est le circuit et on prend la route de l'immigration clandestine. Est-ce que ça explique tout? Et quand on sait qu'on ne dépense pas moins de 800 euros, parce que quand on regarde un peu l'Organisation internationale de la migration qui dit la traversée de la Méditerranée coûte 800 à 1700 euros, ça veut dire que c'est entre 530 000 et 1 200 000 francs CFA. On n'est quand même pas misérable et miséreux quand on a cet argent-là en Afrique. On peut entreprendre en tant que jeune. Flams, celui qui quitte son village, c'est parce qu'il n'a plus de point de repère au village. Et il le quitte, il vit en ville. Celui qui quitte la ville et qui se dit que je veux aller en Europe, mais je n'ai pas les moyens pour aller par les voies traditionnelles, qui sont quoi? L'avion, le visa, et que je vais aller par la route et aller traverser la Méditerranée. C'est pas que je le dédouane, hein, cet homme-là, cette personne, mais je la comprends. Et elle me fait beaucoup plus peur parce qu'elle est prête à sacrifier sa vie pour... Donc une telle personne est difficile à comprendre. Quelqu'un qui est prêt à mettre sa vie en danger est difficile à comprendre. Le jeune africain du sud du Sahara qui rassemble cette somme d'argent, moi j'ai envie de comprendre, monsieur Stéphane Covidien, est-ce que finalement c'est un rejet identitaire, c'est un dégoût finalement de ce continent-là, parce qu'on n'est pas aussi pauvre que ça quand on peut rassembler cette somme d'argent et vouloir quand même braver cette mer mortifère de la Méditerranée. Il s'identifie à l'Afrique, il continue à reconnaître qu'ils sont africains. Ils continuent à reconnaître leur origine, d'où ils viennent. Mais comme je te le disais tout à l'heure dans les coulisses, ils rêvent. Un rêve que toi et moi n'avons pas. C'est-à-dire qu'un rêve auquel est greffée la possibilité de mourir. Quel rêve?
celui de se retrouver en Europe. C'est une utopie finalement parce que de l'autre côté de la Méditerranée, la vie n'est pas si rose. Ils sont victimes de violences raciales, de haine, de déni par rapport à la couleur de leur peau, par rapport au fait qu'ils deviennent des envahisseurs en cri, en désiré. Est-ce que c'est ça le rêve? Ils rêvent. Je le répète encore, ils rêvent. Celui qui va dans un cybercafé et joue au jeu que nous appelons l'autovisa, lui aussi il rêve, mais il a cette voix-là qui lui est plus bien tamissée que celui qui prend le désert. Rêvons donc dans la légalité. Si celui qui va dans le désert, qui prend la route du désert, avait cette possibilité-là, il n'allait pas embarquer. Avec 1 million, 1 200 000, on peut quand même commencer par faire des papiers, etc. On peut même entreprendre sur le continent. Pourquoi cette perte de confiance en l'Afrique au niveau des jeunes? Il y a un réel problème. C'est pourquoi je parlais entre-temps d'une question de mentalité. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut réenchanter idéologiquement le continent africain? On se dit finalement que l'occidentalisation des sociétés africaines en a pour beaucoup parce qu'on ne croit plus à l'Afrique. On se dit, oui, je vais aller là-bas. Est-ce qu'on est aussi victime de la télévision, de ce mirage-là, que la vie est belle de l'autre côté, que l'Afrique, c'est mauvais, c'est le noir, on a diabolisé tout ce qui est noir? Flams. Prends un peu de recul. Toutes les images qu'on nous montre de cadavres rejetés par la mer. Peux-tu me dire la différence entre ce que la mer a rejeté et ce que la mer a accueilli de l'autre côté? Ceux qui ont pu atteindre l'autre bord, les pieds fermes. Il va vraiment falloir que je comprenne la question. C'est pour dire. Il me semble que je ne comprends pas la question. C'est pour dire que ceux qui ont pu franchir la mer et arriver à bon port, dont on ne nous a jamais parlé, avant qu'on ne commence à se rendre compte que beaucoup mouraient dans leur parcours, eux aussi ont rêvé, Flams. Ils sont dans des cas de réfugiés là-bas, entassés comme des sardines et exploités, alors que nous voulons vivre dans un monde où sera banni à jamais l'exploitation de l'homme par l'homme. Ils sont là-bas, on leur paie la moitié de leur salaire, ils acceptent ça. Est-ce que c'est ça le rêve finalement, pour pouvoir braver cette mer, cette Méditerranée-là? J'aime ton prénom, hein. Tu vois comment j'aime le prononcer à chaque fois. Tu sais, je vais te dire une chose. Hein. Qui entassent nos frères en Europe dans ce que j'appelle des camps de concentration sont des hypocrites. Ils nous appellent migrants. D'accord? Mais quand eux, ils font leur formalité et qu'ils viennent dans nos pays, ils sont quoi? Expatriés. Non. Ils sont aussi des migrants, tout comme les autres. C'est pas parce qu'ils viennent avec des poches un peu plus pleines par rapport à notre CFA, à notre CEDI ou à notre NERA, qui sont supérieurs à nous. Je dis non. Quand l'Africain va se respecter, le blanc va nous respecter. Point barre. Et ça vous a... Maintenant. Hélas, oui, allez-y. Maintenant. Oui. On nous dit crime contre l'humanité. Mon œil. Tout le mal que George Bush a foutu en Irak, en Afghanistan, au Pakistan. Il n'y a pas de crime contre l'humanité là-bas. Mon œil. Tout ce qui a été fait dans les villages camerounais, avant les indépendances, les Umniobé et autres, les Sivanus Olympio, mon œil. Patrice Lumumba, Thomas Sankara. On ne parle pas de crime contre l'humanité à ce moment-là. On peut sentir le panafricaniste ici en studio. Parce que leurs intérêts continuent. Oui, justement, moi, ça m'interpelle, M. Stéphane Kevidien, quand vous parlez d'hypocrisie de ces gens-là, parce qu'il faut quand même redéfinir le circuit, les Africains qui quittent leur pays, les Africains du sud du Sahara, les jeunes spécialement, et qui vont en Libye pour partir de la traversée la Méditerranée, pour aller, je ne sais pas moi, sur les côtes Canaries ou à Lampedusa, en passant pour aller en Italie ou en Espagne. À un moment donné, les gardes-côtes libyens ont été financés
par les Européens et ont pris des mesures drastiques. Et depuis un certain temps, les ONG dénoncent l'hypocrisie des Européens parce que au moment où ils ont pu financer ces gardes-côtes libyens de bloquer la voie à ces migrants qui deviennent finalement réfugiés et ce qu'on a vu dernièrement, esclaves, est-ce qu'on ne peut pas prendre cet argent-là pour financer un projet pour cette jeunesse-là afin qu'elle ne se déplace pas? Est-ce que c'est là où c'est l'hypocrisie? C'est là où vous trouvez quand même cette hypocrisie? Dans les années 70, quand Osama Ben Laden était un architecte, un entrepreneur, est-ce que tu le connaissais? Non. Mais il a fallu, les années 80, quand les soviétiques à l'époque ont décidé d'envahir l'Afghanistan, qu'il y a eu un groupe de Mujahideen, à l'époque on les appelait comme ça, qui ont dit pas question. Et Osama Ben Laden s'est retrouvé devant. Qui a équipé Osama Ben Laden pour résister contre les soviétiques, les russes? Ah, on a parlé de la CIA. Si c'est pas Oncle Sam. D'accord? Bon. On va dire clairement pour les auditeurs, les Américains, voilà. La CIA, la Central International Agency. Les Américains l'ont équipé. Quand il s'est retourné contre eux, il était maintenant the bad boy, le mauvais garçon, l'homme à abattre, n'est-ce pas? Qui a créé Daesh? Disons la vérité, qui a créé Daesh? Qui a foutu le bordel en Irak et a décidé de faire la même chose en Syrie? Je tire chapeau à Vladimir Poutine, que je n'aime pas, que je n'apprécie pas, mais je lui tire chapeau. Parce que sans lui, ils allaient encore foutre le bordel qu'ils nous ont foutu. Et en vous le panafricaniste, vous comprenez bien la position de Poutine qui protège, on va dire l'ennemi de mon ami qui protège Bachar al-Assad, mais à un moment donné il n'avait pas soutenu Kadhafi. Vous le panafricaniste, vous le comprenez aujourd'hui quand il soutient Bachar al-Assad alors qu'il y a un moment il pouvait quand même soutenir Kadhafi aussi. Il n'a pas soutenu Kadhafi parce que il savait qu'il avait une autre bataille qui appelait l'Ukraine, qu'il voulait mener. C'est une question d'intérêt, ne le soutenez pas. Bien sûr. Donc, qui a créé Daesh? C'est eux. Ils sont en train de faire fuir Daesh. Oui ou non, monsieur le journaliste, puisque c'est vous qui nous donnez les nouvelles. Maintenant, les membres de Daesh qui fuient les champs de bataille et qui retournent dans leur pays d'origine, ne deviennent-ils pas des désœuvrés? Oui, ils deviennent des désœuvrés. Et ce sont eux qui sont revenus, certains d'entre eux bien sûr, qui sont revenus et qui sont en Libye aujourd'hui. Et qui, à travers le bon financement des Européens, constituent cette barrière-là contre nos frères noirs dans le désert libyen et qui pratiquent leur tradition de violence envers nos frères. Est-ce que ce j'ai sont vu eux? Une vidéo. Est-ce que ce sont eux qui sont les passeurs? Ce ne sont pas les passeurs. Qui sont les passeurs? Eux, ils sont pas seulement passeurs. Il y a les passeurs et il y a les deux œuvrés qui sont là, qui donnent des ordres, en reçoivent et font la pluie et le beau temps. Il y a des passeurs parmi eux, mais ils ne sont pas tous des passeurs. Je vous dis qu'il y a des désœuvrés de Daesh. D'accord? Les désœuvrés de Daesh étaient de l'autre côté en Syrie. Il y avait des passeurs en ce niveau de la Syrie aussi. Comme il y a des passeurs et en Libye et en, disons, dans l'Afrique du Nord. Okay. Maintenant, ceux-ci, financés par l'Europe, constituent cette barrière-là. J'ai vu une vidéo, je voulais te dire tout à l'heure, qui m'a choqué, qui m'a fait mal. Pas le fait que c'était des esclaves noirs autour de qui avaient autour d'eux des Arabes, des Libyens, mais la manière dont ceux-ci giflaient un des prisonniers. À droite, à gauche, on le giflait pour n'avoir rien fait, puisqu'il était assis par terre, les mains liées, les pieds liés. Ça m'a choqué. Ça m'a tellement choqué que je me suis dit, si l'Afrique noire doit faire la réciprocité avec les citoyens
maghrébins ou libyens dans leur pays, je ne sais pas s'ils vont pouvoir tenir. Parce que oui. La Libye telle qu'elle est ne peut pas soutenir une guerre contre un pays africain aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils le savent. Et peut-être ce sera pour la première fois que l'Afrique aussi pourra coloniser un autre pays. Avant de venir à vos approches de solutions, parce que c'est pour ça que nous sommes là justement, comme à réfléchir pour décanter la situation, pour mettre définitivement un frein ou une solution durable à ce phénomène, à cette horreur-là qui se passe sur la terre-mer, sur le berceau de l'humanité. Devant moi, il y a un panafricaniste, donc j'aime bien employer cette terminologie-là. Et quand on regarde un peu la vidéo de la CNN où les esclaves se vendent entre 200 et 500 euros, c'est-à-dire que c'est un prix compris entre 100 000 et 250 000 francs CFA. L'homme noir est moins qu'un mouton. J'ai mal de prononcer le mot, mais comment est-on arrivé là, M. Stéphane Kovizé? Est-ce la première fois qu'on a vendu un frère africain aussi bas? 100 000, 250 000 francs CFA? Au moins aujourd'hui, il y a de l'argent. La dernière fois, c'était quoi? De l'alcool, des épices? Miroirs. Ils avaient, nous dit-on, l'histoire nous dit que c'était des objets très précieux qu'on ne pouvait pas acheter aujourd'hui à 250 000, j'imagine. Ce sont quand même des objets précieux, des pierres précieuses. On nous parle de miroirs, si c'est vrai. On nous parle d'un paquet de trucs. Non, ça, franchement, depuis un certain temps, on dit tant que le chasseur va raconter l'histoire, ça ne va pas arranger le lion. Ce n'est pas l'élément de change ou bien la monnaie qui compte. C'est le principe chez moi. Et là, même si tu le vendais à 1 million de francs CFA, le vendre, c'est ce principe-là qui me fait mal. Oui, mais déjà, comment l'homme noir peut-il aussi se chosifier lui-même? Il ne sait pas chosifier. Comment est-on arrivé là? Celui qui s'est retrouvé dans un camp de concentration en Libye, c'est parce qu'il s'est retrouvé sans moyens. Il ne pouvait plus continuer. Donc, dos au mur? Dos au mur, il s'est laissé prendre. C'est différent de ce que nos propres frères ont fait dans l'Afrique noire. C'est-à-dire aller chercher un frère noir et le remettre entre les mains du Toubab. Oui, ça a été aboli depuis 1848 dans les colonies françaises. L'histoire nous racontait que Bienzin a été trahi par son frère Agbouliagbou. Mais là, c'est aussi le blanc qui racontait l'histoire. Clams, c'est l'histoire que le blanc nous a apprise. Et c'est le blanc qui nous dit que cette forme d'esclavage a été abolie. Quand nous, Africains, nous allons écrire nos propres livres d'histoire, nous allons révéler qu'à l'heure où nous échangeons, toi et moi, ici, il y a encore cet esclavage qui continue. Vous savez où? Au sud du Togo, au sud du Nigeria, au sud du Ghana, au sud du Soudan, à l'est du Mali. Vous voulez parler certainement des trafics des enfants? Bien sûr. Et avec les sœurs, nos sœurs qui se retrouvent dans les pays... Celles qui sont en Arabie Saoudite. Voilà, au Moyen-Orient, Arabie Saoudite, au Liban, en Rhodésie. Voilà. Il y a aussi cette forme qui est en train de se passer malheureusement dans les coulisses, on n'en parle pas. C'est aujourd'hui l'occasion d'en parler. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Comment est-ce qu'on peut éviter? On parlait des pays africains qui peuvent être sauvés par l'agriculture aujourd'hui. J'aurais aimé voir les chefs d'État africains qui sont allés marcher à Paris sous prétexte que je suis Charlie, je voudrais les voir marcher en Libye, à Tripoli. Marcher à Tripoli. Oui, sous les balles. Sous les balles des camps adverses. Monsieur Stéphane Kovidier, c'est du non-sens. Vous arrachez mon sourire. Bien sûr. C'est du non-sens, Flams. C'est de la pagaille. Je vous dis la vérité. Nos chefs d'État ne sont que des marionnettes. Jusqu'à présent, un seul pays a dit qu'il est prêt à envoyer des troupes en Libye. Je parle du Tchad. Le Rwanda aussi est prêt à accueillir des migrants. Le Rwanda est prêt à accueillir du monde. Je lui tire chapeau. On parle également de l'international camerounais Samuel Eto'o. Je n'épouse pas sa politique démocratique dans son pays, le Rwanda. C'est un autre débat. Je le soupçonne même d'avoir participé à la mort d'Abiarimana. Et d'être complice dans le génocide. C'est un autre débat. L'histoire, aujourd'hui, le Rwanda apporte quand même sa solution. L'histoire écrite par les Africains va nous départager. Je salue Samuel Eto'o qui a offert
Il faut saluer Kagame aussi, un pays qui a vécu le génocide en 1994, qui est aujourd'hui prêt à accueillir ces migrants-là. Justement, parce que il sait qu'il faut une main d'œuvre. Mais beaucoup de chefs d'État ont condamné quand même. Hein. Il y a le président togolais et tout, pratiquement tous les présidents. Ne me fais pas rire. Pourquoi ? Ne me fais pas rire. Sans sérieux, Monsieur Stéphane Kevigien. Et il y a Emmanuel Macron qui a parlé des crimes contre l'humanité. Mais l'heure n'est plus au discours, j'imagine. Quand les chefs d'État africains venaient au pouvoir, je ne sais pas si Macron avait déjà fini l'université. C'est pour dire que ils ont des connaissances que Macron n'a pas. L'Afrique. Des connaissances empiriques sur le terrain. Oui, certainement, ils sont africains, ils connaissent l'Afrique, puisqu'Emmanuel Macron. Donc, le jeu louche qu'ils ont joué pendant longtemps avec la France, Macron n'en a cure. Macron n'en a cure, on peut comprendre. Il est obligé de suivre le système qu'on lui a imposé depuis la Maison-Blanche. Depuis l'Elysée. Et par contre, aujourd'hui, les ONG accusent les Européens, donc Macron, d'être hypocrite parce qu'ils ont financé, en tout cas, les gardes-côtes libyens qui ont quand même qui ont mis des mesures drastiques en place aujourd'hui pour empêcher les migrants de traverser la Méditerranée. C'est ce que je dis. C'est de l'hypocrisie. Aujourd'hui, quand on veut réfléchir en termes de solutions durables, que faut-il faire ? On parlait déjà, entre-temps, je me rappelle, dans une émission, si on parlait, que c'était, on disait que c'était malheureux, en tout cas, de voir dans nos États qu'il n'y ait pas d'université spécialisée en agriculture, de lycée spécialisé en agriculture. Agricole. Et aujourd'hui, mais il y a des facultés d'université qui font de l'agriculture. Voilà. Alors qu'on parle depuis un certain temps de l'endogénéisation de nos savoirs, c'est-à-dire qu'adapter en tout cas les savoirs, l'éducation à nos réalités africaines. Aujourd'hui, quelles peuvent être les approches de solutions par rapport à ce qui se passe aujourd'hui ? Parce qu'il faut partir depuis la base. L'esclavage libyen est ce que je peux appeler la guerre totale qui a été déclarée à l'Afrique noire. La guerre totale déclarée à l'Afrique, par qui ? Par les Libyens qui font ce trafic-là. Les maîtres. Les maîtres. Entre griffes. D'esclaves. Je ne parle pas encore de la main qui est derrière ces maîtres-là. Je parle d'abord de ces maîtres physiques qu'on peut voir physiquement. Là. Donc, je demande qu'il leur soit appliqué la technique américaine. L'Amérique n'ira jamais en guerre contre un pays si elle ne peut pas attaquer sur la terre terrestre, dans les airs, une bataille aérienne, et sur les mers, les eaux, une bataille aquatique. C'est-à-dire comment ça va se faire, oui. On doit pouvoir attaquer ce problème-là sur tous les fronts. Maintenant, puisque pour une fois, les fameux leaders européens qui nous ont fait du tort clament qu'il y a crime contre l'humanité. Aujourd'hui, sur le plan militaire, ils sont plus équipés que nous. Donc, un, que tous les ambassadeurs de Libye dans les pays de l'Afrique noire soient remerciés. C'est ce que vous préconisez. Ce que je préconise. Deux, que l'OTAN mette ses drones à disposition et que tous ces camps-là soient attaqués. Et que ces maîtres se retrouvent à la CPI. Il n'y a pas que les chefs d'État africains. Ils ne vont pas aller à la CPI. Il n'y a pas que les chefs d'État africains pour aller à la CPI. Ils ne vont pas aller à la CPI. Il n'y a pas que Blegoudé pour aller à la CPI. Quand ils iront à la CPI, leurs noms seront cités. De la même manière que la France continue de cacher qu'elle est derrière la mort de Sylvanus Olympio, ils vont toujours cacher. Tout comme elle ne peut pas nous dire que c'est elle qui a donné l'ordre de tuer Kadhafi. Qui, plus que l'auteur d'un crime contre l'humanité, mérite d'être sur les bancs de la CPI ? Qui ? Ils vont trouver des boucs émissaires qui vont envoyer là-bas. Quand on dit crime contre l'humanité, il faut que l'auteur de ce crime soit finalement à la je CPI. Suis c'est d'accord. Pour ça que la CPI est créée. Est supposée être créée. Je suis d'accord.
mais toutes les ramifications qui vont remonter au premier leader seront bloquées et nous n'aurons pas les vraies raisons. Nous n'aurons pas les vraies explications. Vous voyez? Et c'est là que la politique étrangère des Européens fait mal. Les Blancs, les Français, je les aime bien. Puisque j'ai fait la France, j'ai fait l'Italie. Les Américains, je les aime bien, j'ai fait les États-Unis. Mais c'est leur politique étrangère qui sent mauvais, qui pue. By all means necessary. By all means necessary. Allez les chercher. Allez les chercher. Coupez toutes les aides qui sont faites vis-à-vis de ces responsables de choses libyens. Le général Mouhtar, comment il s'appelle encore là? Mokhtar. C'est Mokhtar, Mouhtar, quoi là? Et ceux qui sont de l'autre côté. Tant qu'ils ne vont pas résoudre ce problème-là sur le terrain, il n'y aura plus d'aide. Fermez tous les vannes et mettez des troupes à toutes les frontières. Tout comme ils ont pu chasser Daesh en Syrie, qu'ils fassent la même chose ici. Nous les attendons. Donc on peut dire qu'on n'a pas quand même su gérer en griffe le service après-vente de Kadhafi. L'après-Kadhafi est difficilement gérable. On se demande si on peut quand même gérer cet après-Kadhafi-là. Mais vous venez de parler de l'Union européenne, des Américains. Voilà, il ne faut pas jeter l'opprobre aux autres. Quel est le rôle ou quel doit être le rôle de l'Union, la fameuse Union africaine dans cette histoire? Qui est financée par le Blanc. Et tu dis service après-vente, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont pu faire le service après-vente en Irak, en Centrafrique? Parlons d'abord de au Mali, parlons d'abord de l'esclavage en Côte Libye. D'Ivoire. Service après-vente, n'est-ce pas? Et c'est pour cela quel doit être le rôle aujourd'hui de l'Union africaine, au-delà des discours? Parce que voilà, on n'en a que faire, finalement. L'Union africaine, je suis désolé de le dire, est ce qu'on peut appeler un MINA. Ils se retrouvent entre eux pour se célébrer, danser, écouter de la bonne musique, faire de beaux discours, et ils se séparent. Non, mais sérieux, c'est pas facile d'être président avec tous ces problèmes à gérer, monsieur Stéphane Kevitien. Justement, il faut un doctorat. Ils n'écoutent pas seulement de la bonne musique. Il faut un doctorat pour devenir président. Il faut une licence pour devenir président. Il faut des études approfondies pour devenir président. C'est ce que tu me dis? Pas forcément. La vision, les diplômes approfondis, il y a l'école de la vie aussi, il y a l'expérience. Mais il faut quand même un minimum d'instruction. Et ça, tout le monde le sait. Justement. Et quand ils arrivent là-bas... Ce minimum d'instruction dont je parle, c'est très exigeant. C'est pas avoir un BPC pour justement, être... Justement. Et quand ils arrivent là-bas, ils se comportent comme s'ils n'ont jamais mis pied dans une école. C'est ça qui est triste. Peut-être, donc, ce n'est pas un diplôme. Peut-être qu'on n'a jamais été là-bas, culture. C'est pour qu'on voit la chose comme ça aussi. C'est une culture, c'est une vision qu'ils n'ont pas, je suis désolé. Et que doivent-ils faire aujourd'hui dans cette situation? Que doivent-ils faire? C'est de se réunir rapidement, interpeller les ambassadeurs de la Libye chez eux respectivement, c'est d'interpeller Macron, Merkel, et celle de l'Angleterre, et de leur dire, Theresa May. Et sans oublier celui de l'Italie aussi, et de leur dire, c'est vous qui parlez de crimes contre l'humanité. Ils auront l'occasion de dire, monsieur Stéphane Kevitien, pour aller en tout cas dans le sens, pour vous laisser continuer, ils auront l'occasion de le dire, j'imagine un peu, que vous leur donnez le menu de cette fameuse rencontre, parce que vous figurez-vous que les 29 et 30 novembre prochains, c'est-à-dire la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, à Abidjan, il y aura le sommet, le cinquième du genre, Union africaine, Union européenne, où la principale question, ce sera la jeunesse africaine. Merci Flamme pour m'avoir rappelé que c'est le 28. C'est le 29. Le 29, oui. Et le 30. Aujourd'hui, 24. À Abidjan. Aujourd'hui, c'est le 24, n'est-ce pas, 25. 24. Du 24 au 29, tu sais tout ce qui peut se passer, Flamme. Ne nous amusons pas. Ce sera... peut-être le lieu où tous les responsables pourront être en face. Mais leur petit téléphone qu'ils ont, qu'ils utilisent pour le moment, qu'ils utilisent leur téléphone, qui ne leur coûte rien du tout, puisque ils ne payent pas de facture, et que c'est nous les contribuables qui payons. C'est maintenant l'occasion de faire des dépenses au nom du contribuable pour résoudre cette crise.
et supporter que l'on puisse aller libérer nos frères. Aller faire comprendre à la Libye que ça suffit et que ça s'arrête. Faire comprendre en Mauritanie que l'esclavage doit s'arrêter. Faire comprendre au Soudan la même chose. Et que mon grand-père au village ne se dise pas que j'ai 10 filles que je les envoie au mariage contre leur volonté. Sans cela, la roue tourne, elle va se reproduire encore. Quand vous dites 10 filles, je sais qu'il y a des religions qui en tout cas entre griffes autorisent, ou ce n'est même pas entre griffes, c'est la réalité, qui autorise la polygamie. Et peut-être, je ne vais pas nommer pour faire polémique, est-ce que ça aussi peut contribuer? En gros, on peut comprendre tout ce que vous avez dit, monsieur Stéphane Kevidjien, juriste panafricaniste. Merci d'avoir été là pour parler de cette horreur, de cette ignominie, de cette infamie qui se passe sur la terre mère. Ici en Libye, au 21e siècle, nous sommes en 2017, alors qu'on parle de l'émergence du continent, il faut faire ce retour brutal et un virage finalement total vers le passé pour recommencer à parler de l'esclavagisme. Ça fait très mal. Merci d'avoir été là pour parler de tout ça. Malheureusement, le technicien fait signe que c'est fini, mais je vous donnerai l'honneur de placer un dernier mot. Je voudrais poser cette question aux responsables européens qui nous ont appris à dire ceci. Donnez-vous la paix du Christ. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça qu'ils nous ont appliqué jusqu'à présent. C'est ça qu'ils nous ont appris jusqu'à présent. C'est ça qu'ils nous demandent jusqu'à présent. Qui nous le démontre cette fois-ci? Merci d'avoir révélé votre identité de pasteur dans cette Flamme. Émission, monsieur Cuvier. C'est ce que j'avais pas dit aux éditeurs et auditrices. Vous êtes aussi pasteur. Et merci de nous rappeler l'amour du prochain qui est la base de toute vie humaine. Merci à Francis Daï de l'autre côté de la technique. À la semaine prochaine. Sur Taxi FM, l'info roule. 93.1 Taxi FM.